Le 101 du code électoral stipule que tout électeur régulièrement inscrit sur une liste électorale a le droit de prendre part au vote. Toutefois, ce droit est suspendu pour les personnes frappées d'une condamnation pénale ou faisant l'objet d'une détention préventive ou d'une garde à vue administrative ou judiciaire. Pourtant, dans le département du Diamaré, région de l'extrême nord, le conseiller municipal RDPC Abdoulaye Yaya, en détention préventive à la prison centrale de Kondengui, a voté par procuration. L'arrivée de son mandataire au lycée bilingue de Maroua a suscité le courroux des électeurs de l'opposition. Mais leurs dénonciations n'ont pas été prises en compte. Je l'ai rappelé haut et fort. On a venu pour trois représentants de partis politiques et même l'observateur national était là. Elle est témoin oculaire. Les autres également étaient témoins oculaires. Que le monsieur qu'on a voulu venir voter pour lui, il est à Kondengui. Et même la procuration était signée d'un commissaire à Kondengui. Mais est-ce qu'il y a un commissaire en prison? Cet incident porté à la connaissance du préfet du département du Diamaré, celui-ci a interpellé les représentants d'Elecam. Il est en détention préventive, on ne l'a pas encore condamné. Son droit de vote est donc suspendu. Il ne saurait voter. Le vote étant déjà effectué, quelles dispositions prendre pour l'annuler? Finalement invalidé, comment connaître le choix du... Ça fait problème. Ils font un rapport dans le PV. Et ils associent à ce PV-là la procuration qui sera acheminée avec leurs observations. Oui, et la commission. On va voir s'il doit retirer le vote pour maintenir. C'est la commission qui décide. Tout à fait. Okay. Cet incident enregistré dans le département du Diamaré, selon l'opposition, n'est que la face visible de l'iceberg. De nombreux dysfonctionnements étant enregistrés dans le processus électoral à chaque élection au Cameroun, fait savoir l'opposition.